Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la salle, on se retrouve dans un wall ride, ma foi, looping, bizarrement fait. Très bizarre, mais très beau à la fois, la salle. On peut le voir derrière nous, il est magnifique. Et la salle, j'avais une question à te poser aujourd'hui. J'aimerais aussi vous répondre dans les commentaires. C'est bizarre en fait comme question, mais genre en cours, t'es le genre de mec à traîner avec qui? Bah avec personne, avec mes potes quoi. Genre au lycée. Ça dépend. Dans le cours ou dans les pauses. Tu te promènes dans les cours, enfin ouais, pas dans le cours forcément, mais genre. Ça dépend. Dans chaque classe, quelqu'un de différent, je pense. Hein. En fonction de y avait qui avec bah, moi. Parce que, déjà, tu disais ouais non, pas avec lui, tu vois. Ou tu t'en foutais. Bah c'est normal. Bah. Il y a plein de gens que je me disais pas avec eux, mais c'est normal, c'est pas mes potes. Si je veux pas m'amuser à traîner avec des gens au pif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi, tu vois, au lycée, enfin non, au collège, bah tu sais, je traînais avec mes potes parce que tu sais, j'avais mes potes quoi. Tu sais, les potes de l'école primaire quoi, tu vois, les potes d'enfance quoi. Mmh. Ouais. Donc du coup, on était séparés quoi, tu vois, t'en avais, ils étaient dans d'autres écoles. D'autres, ils étaient dans la même école que toi, mais ils étaient pas dans la même classe que toi. D'ailleurs, moi je me rappelle, j'étais en 6ème cristal, ça s'appelait. Et on avait fait un. C'était bizarre, j'étais un gamin quoi. Et du coup, on avait fait quoi? On avait appelé la BK6C, et il y avait la BK6, je sais plus quoi. C'est quoi ça? Bah, la bande 6ème cristal. Waouh! Ah ouais, à ce point, vous étiez des gamins en fait. Et du coup, voilà, c'était bizarre quoi. Je sais pas si vous avez des teams vous en 6ème. Non, non, je pense non, que ça non, a changé non. Maintenant, c'est plus pareil. La mentalité d'avant et de maintenant. Genre. Je sais pas. Bah, en fait, nous on était normaux, vous étiez des attardés et maintenant ils sont de nouveau normaux, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je vois plus de gens fumer. Bah, c'est bizarre, on va pas parler de cigarettes ou quoi, mais c'est vrai que je vois plus de gens fumer, genre, tu vois. Genre, quand je vois les petits frères des potes à moi, tu vois. Bah, ouais. Ils ont 12-13 ans, ils fument, tu vois, ça craint quand même. Alors que nous, on n'avait pas, enfin, nous, je sais pas si c'était pareil à ton époque, mais moi, quand j'étais en 6ème, 5ème, si, il y en avait fumé, plein. Hein. Si, il y en avait plein. Nous, avait pas beaucoup, hein. C'était rare. Hein. Alors que maintenant, c'est banal, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Et ouais, donc du coup, au lycée, au collège, je traînais avec mes potes, quoi. Et au lycée. Alors moi j'avais une bande, c'était une bande, bah les gens ils les aimaient pas en fait, je sais pas pourquoi. Tu sais genre bah bon c'est pas pour faire de machin et tout, mais tu sais t'avais un, bah je traînais avec un gars qui était un peu gros quoi on va dire entre guillemets. Pire comme ok quoi. Et un autre qui était tout maigre, tu vois à peu près comme moi. Mais les gens ils les calculaient pas, mais je savais pas pourquoi en fait les gens ils les calculaient pas tu vois. Mmh. Genre personne leur parlait. Alors que moi je traînais avec eux, puis c'est ils sont sympas, tu vois. Tu sais, quand tu traînes avec eux, tu rigoles quoi. Et du coup, bah j'ai passé ma seconde terminale et tout, et était tout le temps avec dans la même classe. En fait, on tombait à chaque fois dans la même classe, les deux. Ouais. Et du coup, bah je suis resté avec eux tout le long. Et dédicace à lui, il s'appelle Sebastian. En fait, il s'appelle Sébastien. Mais mon surnom que je lui donnais, c'était Sebastian. Donc il va se reconnaître, hein, parce que je sais qu'il regarde les vidéos, tu vois. Et voilà, donc dédicace à toi. Je voulais lui faire un petit dédicace parce qu'aujourd'hui, tu vois, je pensais. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, tu vois. En gros, tu t'es comporté en bon père de famille. Attends. C'est-à-dire. Bah, je veux dire. En bon père de famille, quoi. Attends. Pourquoi t'as mis 3 tours? Pourquoi tu rigoles déjà, t'as quoi? Non, mais pourquoi t'as mis 3 tours? C'est ça ma question, je sais pas. Il y a 3 tours. Ça fait quoi, ces 3 tours? Je sais pas. Non, mais du coup, alors, tu t'es comporté en bon père de famille. Non, mais attends, mais pourquoi tu rigoles? C'était chelou, je te jure, t'es bizarre. Bah parce que je te posais une question, t'es incapable de répondre. Bah non, je... Bah tu sais quoi, je te réponds dans la prochaine course, on se téléporte dans la prochaine course.
Eh bien écoute, la salle, on se retrouve pour la deuxième course. Et je vois que tout le monde échoue, je vois que tout le monde accélère comme des buffles. Ah ouais. Ça accélère chaud, chaud, chaud. Ils sont vraiment chauds, la salle. Hein. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que je jouais le père de famille, c'est ça? Non, parce que t'as dit que tu, en gros, tu traînais avec des gens avec qui personne ne voulait traîner, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc je t'ai demandé, est-ce que tu te comportais donc en bon père de famille? Bah non, mais je sais pas, moi je les aimais bien. Je rigolais bien avec eux. Oui, oui, bah je suis, bah justement. Donc et du coup, est-ce que tu te comportais en bon père de famille? C'est quoi le rapport? Bah parce que tu faisais quelque chose de... On va dire que les autres ne faisaient pas, quoi. Ouais. Ouais. Si on Donc veut. Toi, en fait, toi, quand tu faisais ça, pourquoi tu faisais ça? Parce que tu voulais te comporter en bon père de famille. Non, je faisais ça parce que je les aimais bien. Parce que je sympathisais avec eux, je traînais avec eux, on a fait accro sport, je sais pas quoi, l'accro truc ensemble, tu vois. Mmh. En fait, c'est genre, tu vois comment t'as toujours des gars dans ta classe où personne leur parle, tu vois. Oui, je sais. T'as Ouais, compris, ça tu je vois, sais. T'as compris, tu vois quel genre de quel Oui. groupe. Ouais, Genre ça voilà, je t'as pris sais. bon, ils prenaient pas soin d'eux, machin, machin, enfin rien. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient s'en foutaient un peu, quoi. On va dire que c'était les geeks, en gros, de la classe, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, si. Mais c'était gentil, quoi. Mais toi, tu te comportes en bon père de famille? Mais c'est quoi le rapport? Bah, quand t'as. Alors, ok, je reformule. Mais. Quand. Bah, je pourquoi reformule. je serais un père Regarde. de famille alors que je serais avec des gens? Je Non! comprends pas. Non, je reformule. J'ai pas dit que t'étais père de famille. Ça n'a rien à voir. Je reformule. Donc, quand t'as fait ça à l'époque, t'as voulu te comporter en bon père de Mais famille. non! C'est quoi le rapport? C'est comme Bah si tu me écoute. dis, ouais, je traîne avec Juliette, tu me dis, ah bah t'as beaucoup de coco. Je sais pas, tu vois. En tout cas, je sais que t'es dégoûté d'un truc, parce que j'ai entendu une histoire. Tu vas me dire si c'est vrai. Avec Bad Flunch, vous avez invité des meufs dans la maison de Bad Flunch. Ah oui, d'ailleurs, il va rendre la maison là où il l'a rendue. Je crois. Il l'a rendu, c'est. Non, il va. Oui, il l'a rendu. Ouais. Ouais, donc vous pouvez plus inviter de meufs maintenant. Ça va se passer comment? Vous allez les inviter où? En voiture? Oh bah. Je sais pas d'où, mais je sais qu'il veut prendre un appart, je crois. Et voilà quoi. Ou alors chez toi, la salle. Non, ça va aller. Non, non, merci. C'est pas un bordel chez moi, hein. Donc d'accord, donc du coup vous ne pouvez plus inviter de filles quoi, il n'y a plus de maison. Non, maintenant c'est. Maman veut une nouvelle house. Non, mais après, je veux dire, c'était pas mal, quoi. Vous avez profité au moins? De. Bah de la maison. Ouf, vite fait, hein. Moi, j'y allais pas tout le temps. Et ça fait quoi de la quitter? Ça Bah, faut demander aux concernés, quoi. Ouais, mais toi, je veux dire, en bon père de famille, t'as dû le conseiller, non? Ah, non, du tout. Moi, j'ai rien conseillé du tout, hein. T'as pas voulu te comporter en bon père de famille. T'as un bad, toi, je sais que tu veux parler, mais. Ah, t'es fort, t'es fort. Là 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 là. Ouais, je suis un bon père de famille, quoi. Non, j'ai pas dit que t'étais un. Mais non! J'ai pas dit que t'étais un Bah, bon père de famille. si tu dis que tu me considères comme un bon père de famille. J'ai pas dit considère, j'ai dit tu te comportes. Tu te comportes. Non, pas tu te. Tu. En bon père de famille, tu le conseilles, quoi. C'est ça que je dis. Ah, non, non, je ne conseille pas. Je conseillerais. Normalement, si tu te positionnes en bon père de famille. Bah oui, là tu conseilles, mais moi je suis pas son père. Hein. Ça veut pas dire que t'es son. Mais toi, ça veut pas dire que t'es son père, hein. Ça veut pas dire ça, Mais hein. ça veut dire quoi que c'est la même chose? Bon père de famille. Non, c'est pas là. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose, mais vraiment. Bah je sais pas.
En tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que dit la salle dans les commentaires, mais... Tous ceux qui connaissent l'expression, ils vont dire « Bah oui, on sait !» Mais ceux qui connaissent pas, ils vont dire « Comment ça, père de famille ?» Je sais pas, t'es combien là? Ah, t'es Bah devant, écoute, je crois. Ou je suis devant, ouais. troisième parce que la Krieger dans les wallrides, elle est horrible, hein. Elle avance pas. Ouais, j'ai pris la Krieger aussi. Elle avance pas dans les wallrides, alors il y a une DVST qui m'a dépassé et je sais pas quoi. C'est abusé. Mais attends, pourtant, le véhicule le plus rapide dans le rail, c'était quoi là, ça? C'était la DVST. Du coup, c'est normal. Mais il me semble que la... Non, la Krieger sont en looping. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, un grand looping, quoi. Ah ouais, face to face, la salle. Ouais, mais sans collision, c'est pas trop un face-to-face, En hein. tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que c'est vrai que là, tu vois, c'est une petite course, ça change des parcours et tout. Et c'est vrai que c'est beau. Franchement, les courses sont belles, hein. Il y a des courses comme ça, elles sont belles, tu vois. Il y a des cratères qui sont très forts, genre comme là. C'est vrai. Et c'est pas mal. T'es combien là? Là, je suis cinquième. Ouais, parce que je t'ai vu passer et j'ai l'impression que tu roules en dépit du bon sens. Faudrait que tu essayes de te rouler différent. C'est ce que je me suis dit en roulant aussi. Je sais pas, c'est bizarre, ouais. Ouais, ça se voit. Mais pas en pain, tu vois, dans le bon sens, quoi. Non, vraiment, en dépit du bon Par sens. contre, ma Krieger, elle est bizarre. Ok. Et du coup, tu lui as conseillé quoi à Bad Flunch en bon père de famille? Je lui conseille rien du tout. Mais tu lui as dit quoi? Je veux dire, il a dit non, ne loue pas cette maison, c'est trop cher. Oui, prends, c'est très bien. Je lui ai dit non. Et Oh le toi? menteur! Oh le menteur! Toi, tu lui as dit non, toi, tu lui as dit ouais, vas-y, comme ça on ramènera des meufs. N'importe quoi. Ouais. Je suis pas comme ça à la salle, moi, tu sais. Wow, par contre, même en montée, elle est horrible, non? Non, en montée, je suis en train de rattraper là. Ah, mais il y a des boosts, ça y est. Je suis Ah en train de ouais, pareil, rattraper la je crois que j'étais en train de 811. rattraper aussi quelqu'un. Ah bah non, c'est toi. Jusqu'à ce qu'il y ait des boosts. Ok, bah du coup, ce sera quatrième place pour moi. Attends, hein. Il y a encore l'atterrissage, hein. Tu sais pas, hein. Ça se trouve. Ouais, non, c'est mort. Et bah écoute, ah ouais, non, c'est mort. Le temps que t'atterrisses, en fait, Ouais. l'autre il est déjà reparti, quoi. Ok, quatrième place pour moi la salle et moi je vous dis au revoir.